Bon, après, pour faire changer tout ça, c'est pas facile. Mais je pense que c'est possible. Je pense que si on s'y met tous un peu ensemble, ça va prendre un peu de temps, quoi, le temps de dire à tout le monde que tout le monde le fait. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Je sais pas quoi. Changer le monde. Si on s'y met tous un petit peu, il y a moyen. Faut juste prévenir le mec d'à côté que t'es en train de le faire. Et lui dire, vas-y, viens, on le fait ensemble. Sinon, on peut faire de la politique. C'est un autre moyen. C'est un peu ce qu'on fait ici. Du coup, je vais faire une chanson politique. Vu qu'on est dans un festival politique. Une chanson sur mes objectifs dans la vie. C'est pas pour rien que je porte une cravate. C'est un peu chiant, ça tient chaud et tout, c'est casse-pied. C'est relou à mettre, c'est jamais de la bonne taille et tout. Un costume, c'est quoi? Cette chanson, c'est mon programme. Mes tripes et mon âme, avec mes idées saugrenues. Je fais briller le macadam, que ceux qui sont perdus arrivent à retrouver la flamme, qu'on puisse enfin s'épanouir. Les yeux tournés vers l'avenir, leur crise, on a ras-le-bol. Vivement, vivement que l'économie décolle. On voudrait juste un vrai travail. Histoire, histoire de ne pas finir sur la paille. On a tous un truc à faire, on a tous un savoir-faire. C'est tant qu'il est chaud qu'il faut battre le fer. Je veux bien ramper par terre, mais vous ne me ferez pas taire. Pour ça faudrait qu'on me tue et qu'on m'enterre. Je rêve de voir retour à l'essentiel. Si j'étais en pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Je rêve de voir devenir président. Ce n'est pas un rêve d'enfant. Je voulais écrire des chansons, m'occuper de ma maison, pouvoir dire à mes enfants que la vie c'est amusant. Il paraît qu'elle est brève, alors je m'accroche à ce rêve, puisque tout me révolte. À chacun sa révolution, ce qu'on sème, on le récolte. Donc voici ma contribution à l'avenir de l'espèce. Je ne promets pas de prouesse, mais la jeunesse n'empêche pas la. Je n'ai rien à prétendre, mais s'il me paraît sage d'essayer d'apprendre. Du mélange et du métissage, du mélange et du métissage. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Tout travail mérite salaire. Vaut mieux bosser au ministère que de vivre la galère des travailleurs intérimaires. La vie passe vite, surtout en 3-8. Les puissants m'irritent, vivement qu'on prenne leur suite. Si j'étais président, je resterais un homme. Je soumettrais mon salaire et mes idées au référendum. Dites-moi qui a raison, qui a gagné les élections. Quand on fait attention au taux d'abstention au-delà de 40%, ça devient embarrassant. Le mot victoire est indécent et il se croit puissant. Si je vise la présidence, c'est que j'aime vraiment la France. Pour y arriver, une seule chance, du travail et de la patience. De toute façon, j'ai le temps, vu que je n'ai que 30 ans. J'en ai au moins 20 devant pour réaliser mes plans, pour m'installer dans la place, me faire connaître des masses. Il me faut de l'audace, être têtu et tenace. Il est temps qu'on s'émancipe, cassons les stéréotypes. Si tu adhères à mon trip, t'es le bienvenu dans mon équipe. Si tu adhères à mon trip, t'es le bienvenu dans mon équipe.
essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes, mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Je rêve de voir. Merci. Non, c'est un peu macho de vouloir être président de la République quand même.